Les États-Unis ont déclaré pour la première fois qu'ils avaient vu des preuves que la Corée du Nord avait envoyé 3000 troupes en Russie pour un déploiement possible en Ukraine, une action qui pourrait marquer une escalade significative dans la guerre de la Russie contre son voisin. Le secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, a déclaré que la situation serait très, très sérieuse si les Nord-Coréens devaient combattre aux côtés de la Russie en Ukraine, comme l'a affirmé Kiev. Mais il a dit qu'il restait à voir ce qu'il ferait là-bas. S'exprimant aux journalistes mercredi soir, le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que les États-Unis croyaient qu'au moins 3000 troupes nord-coréennes étaient en train d'être formées en Russie. Les États-Unis ont déterminé que des soldats nord-coréens avaient été transportés par bateau au début d'octobre depuis la région de Wonsan en Corée du Nord jusqu'à la ville russe orientale de Vladivostok, avant d'être envoyés dans trois sites d'entraînement militaire en Russie orientale. S'ils sont déployés pour combattre contre l'Ukraine, ils sont des cibles légitimes, a déclaré Kirby. Ce sont des cibles légitimes et l'armée ukrainienne se défendra contre les soldats nord-coréens de la même manière qu'elle se défend contre les soldats russes. La Corée du Sud a, quant à elle, déclaré que Pyongyang avait promis de fournir un total d'environ 10 000 troupes dont le déploiement devait être achevé d'ici décembre.